Voilà, et comme annoncé à l'entame de cette édition, la rédaction reçoit ce soir le directeur des services techniques de la radiodiffusion et télévision du Tchad. Donc, c'est Gédéon, monsieur le directeur technique, une fois de plus, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, nombre de nos téléspectateurs n'arrivent pas à suivre les programmes de la télévision nationale tchadienne. Qu'est-ce qui se passe depuis la migration vers le satellite Intelsat? Merci, c'est un processus qui a été entamé depuis le mois d'août avec la direction générale du ministère de tutelle pour l'optimisation du coût de location annuel qui a entamé le processus depuis le 2 septembre, le passage de l'ancien opérateur SES, NSS-12, vers Eutelsat, E10. Donc depuis le 2 septembre, nous sommes en des émissions NSS-12 et Eutelsat-E10. Donc la date butoir pour Nilsat est arrivée à l'échéance depuis le 15 Est-ce qu'il y a eu un septembre. problème avec Nilsat? Le problème, il n'y a pas de problème, mais c'est que c'est un problème purement technique et sur l'optimisation également du coût de location annuelle avec Eutelsat. Sinon, dans la qualité de réception, c'est que économiquement, nous voulons également faire une optimisation du coût de location annuelle avec D'accord, mais malgré les annonces, nos téléspectateurs n'arrivent pas à nous suivre. Qu'est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus pour leur permettre de comprendre cette émigration-là? Cette migration n'a pas d'incidence majeure, mais c'est juste un changement de transpondeur dans la couverture de Nilsat. Tous les téléspectateurs qui veulent avoir la télé-tchad facilement n'ont pas besoin d'avoir d'autres équipements. Il suffit d'insérer la fréquence de 11 603 et tu fais la mise à jour, mais la recette automatique, tu as la télé-tchad automatiquement. D'accord. Et Dans quels la sont même couverture Nilsat. les avantages de cette migration? Les avantages sont à deux niveaux. Sur le plan économique, on a une réduction globale sur le coût de location annuelle de 10%, qui est tout simplement colossal. Et sur le plan technique, nous avons également une large couverture du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique subsaharienne, qui permet de gagner nos téléspectateurs sur notre chaîne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le vocabulaire HD? HD, c'est un vocable purement simple que c'est la haute définition pour un homme bilingue. Mais s'il faut D'accord. aller dans le technique, ça risque d'être très compliqué. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé n'est-ce pas, pour la comment on appelle, pour la migration au niveau du Nilesat, comme vous l'avez expliqué. Maintenant, nous sommes sur Eutelsat. Vous pouvez donner encore un peu plus d'explications à nos téléspectateurs pour la réception plus facile. Votre explication Je est plus pense technique. que, il y a plusieurs avantages par rapport à ça. Nous savons que, avec l'opérateur Eutelsat, nous sommes sur trois flottes de Eutelsat, en Eutelsat E7, Eutelsat E10 et Eutelsat E16. L'avantage avec ça également, on a la solution streaming avec Eutelsat. Donc, ces avantages nous permettent également d'avoir la facilité de réception. Par exemple, avant, vers le sud, tu peux avoir une antenne de 1,80 m pour avoir peut-être la télé-tchad sur Nilsat. Avec cette migration vers le sud, tu peux avoir une antenne au moins de 80 mètres, une antenne au moins de 60 m, tu peux avoir une télévision bien claire, avec moins de difficultés. D'accord, donc il suffit juste de suivre les instructions Les par la instructions, direction technique. merci. D'accord. Merci pour ces précisions, monsieur le directeur technique, que nous avons reçu comme invité du journal ce jour.